Putain, ouais. L'écran, il est vraiment rincé. Bon, bah, nickel. La GoPro, l'écran, il est mort. Bon, tant que ça filme bien à l'extérieur, c'est bon. Bon, donc hier, on était dimanche, aujourd'hui lundi. Alors, du coup, hier, on a assemblé ce carré-là, là. Donc, c'est le carré qui va à l'avant. C'était vraiment les derniers morceaux qu'on avait. Du coup, tu vois, on a soudé ça, donc ça, à plat. Tu vois, les rectangles, là, parce que là, c'est soudé, entre guillemets, d'usine. Et du coup, les barres ici, on les a tournées en l'autre sens pour pouvoir, comme on a déjà fait ici, faire des trous et venir les visser les vis ici directement. Donc là, on va souder des écrous et on va visser là-dedans en fait. Et puis ça va venir comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Donc ça, c'est ok. Là, j'ai c'est très gros bah, pour pouvoir souder des écrous comme ce qu'on avait fait ici. Voilà. Mais le truc. On n'y avait pas pensé hier, mais c'est pas grave. C'est que tu vois, par rapport à d'habitude, ce rectangle-là ou celui-là, bah celui-là est un peu plus grand, mais celui-là faisait 4. Ici, là, la zone plate, là, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, ça fait 4, ok? Et là, 4 de filetage. Sauf qu'ici, tu vois bien que, tu vois, ça dépasse. Donc, quand on va sous la vis, ça dépasse. Donc, la solution qui va être. Ça va être. Alors attends, les écrous. Attends, je vais en prendre là-bas. Oui, et au fait, les écrous, j'avais jamais montré. Mais j'en ai. Genre. J'ai 30 kilos. Là, ils sont zinqués. Donc, bon, pas. Enfin, soudables, mais difficilement. Et là, ils sont à nu. Donc, soudables. C'est pour ça qu'on est parti sur des vis comme ça. C'est que j'ai. Tu vois. Il y en a encore en dessous. J'ai 30 kilos de visserie. Enfin, de boulonnerie. Des mêmes boulons. Donc, en gros, je pense que ça, j'en aurai pour toute ma vie. Donc, voilà. Donc, la soluce qui va être. Ça va être de prendre. De garder un écrou. Et, ah, putain, je vais pas y arriver. De prendre un écrou qui reste fileté. Et l'autre, je vais percer à travers plus grand. Donc, ça sera plus fileté. Je vais les souder comme ça. Donc, il faut imaginer que celui-là, celui au-dessus, c'est le non fileté, ok? Et alors attends, faut que je prenne ça. Yups, non, c'est pas simple. Comme ça, on va les souder ensemble. Et ça, je vais venir les souder directement à l'intérieur de ça, tu vois. Comme ça sera plat. Et le fileté sera derrière, ok? Et du coup, oups, tu vois, en termes d'épaisseur, je vais y arriver, voilà. Tu vois, en termes d'épaisseur, le filetage, il va venir se prendre sur le deuxième. Et puis sur le premier. Et là, du coup, on sera bon sur le filetage. Donc voilà, donc ça, je vais faire ça. D'ailleurs, je crois que j'avais déjà fait des écrous enfin, percés à travers. Je bouge les mis. Bon, je vais les retrouver. Et puis, je vais faire ça. Je reprends un peu après. On verra bien où ça. Oups. On va arrêter la musique. Allez. Bon, du coup. Alors, attends, hop, j'arrête. Du coup, voilà, ça donne ça une fois soudé. Alors là, bon, c'est vite fait meulé, hein. Mais en gros, du coup. Tu vois, j'ai la partie filetée qui est là. Et la partie non filetée qui est là, tu vois. Tac, je les ai soudés ensemble. Tout bon. Donc là, j'ai fait un cordon sur tout le long. À l'opposé, un cordon sur tout le long. Puis j'ai fait un point, un point. Voilà, j'ai vite fait meuler. Après, on s'en fout, c'est juste pour que ça passe là-dedans. Tu vois. Et après, je viens. Donc, alors, faut pas que je me gourre. La partie non filetée, elle est là. Ça, tu l'essuies. Schlack. Tu les montes, c'est de les monter à peu près centré. Hop, allez, voilà. Tu vérifies bien sur les deux côtés. Et là, tu viens le clac. Voilà. Là, on vient le mettre comme ça. Alors, on essaye de à peu près centrer dans le trou, tu vois, de chaque côté. Et en fait, avec le semi, je vais venir pointer ici. Pointé ici, je l'enlève et c'est bon, c'est fini. Entre guillemets, c'est fini. Il n'y a plus qu'à souder. Alors pour le souder, je mets une vis. Hop, tu vois, celle-là, elle est déjà un peu usée. Je mets la vis jusqu'au bout. Ça évite qu'avec la chauffe, ça déforme le filetage. Voilà. Donc là, j'ai soudé au semi-auto. Je vais peut-être souder à la baguette. Je sais pas, je vais voir ça. Voilà. Allez, ça.
Donc là, ça y est, les ridelles sont du grillage sont finis. Enfin, je dis ça, mais non, en plus, il me reste le renfort à faire sur la porte. Mais en gros, voilà, tout est fixé, tout est boulonné de tous les côtés. On peut voir ici, ça y est, on a boulonné aussi. Donc là, ces ridelles-là, on va pouvoir les redémonter. Tu vois, on voit du coup l'écart là. Il y a un petit jeu. Tu vois, par rapport à l'angle. Voilà, il y a un petit jeu là, mais c'est pas méchant. Et ici, il y a un petit jeu à la fin. Enfin, il y a un jeu à la fin, il y a un angle, tu vois. Mais ici, par contre, c'est plat. Bon, voilà. Voilà. Et du coup, on mettra ces charnières là. Attends, on va mettre ça. Oups. Je sais pas si je l'ai déjà montré. C'est toi qui fais du bordel. Allez. Attends. Hop. Donc voilà, c'est une petite charnière comme ça avec un petit loquet au bout. Et donc on mettra ça ici. Tu vois, tac. Donc elles sont un peu petites, mais bon, on va en mettre deux de chaque côté. Ça en fera quatre sur la porte. Et du coup, on en mettra un de chaque côté pour la butée de levée là. Donc voilà. Donc ça, c'est ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémonter les ridelles. Les ridelles sont finies, donc on n'a plus besoin de les mettre jusqu'à la peinture, tout ça, tout ça. Ça, on les peint pas. On passera juste de l'antirouille sur les soudures. Et puis voilà. T'as l'air blasé, Ben. Du coup voilà, donc ça c'est bon, on peut les redémonter. Voilà. Et là je vais déjà placer mes feux. Donc mes feux c'est des feux AliExpress. Hein. 12€ les deux, autant dire c'est imbattable. Le gros avantage, hormis qu'ils soient en LED donc ils éclairent très fort, c'est que ça coûte que 12€. Donc si on en pète un, j'en rachète, on le change, on n'en parle plus. Donc du coup j'ai fait un patron en carton, tu vois. Voilà, pile poil aux dimensions, tout qui va bien. Et en gros les phares, on va les mettre. Yups, on va les mettre ici. Voilà, sous les charnières. Enfin, sous les charnières ou juste d'à côté d'ailleurs. Je vais voir. Mais bref, on va les placer là. Peut-être là, j'aurais peut-être plus de place que la charnière. On a vérifié, on a basculé la remorque et tout. Et évidemment, il n'y a rien qui touche. Porte ouverte, charnière ouverte et tout. Il n'y a rien qui vient toucher le phare à un moment. Donc ils seront complètement à l'abri. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ce qu'on avait peur au début, on voulait les mettre en dessous en fait. Mais bon, au final, ça rend très bien ici. Et ce... Ah oui, c'est ça que j'ai pas dit. Gwen, déjà, il a fait ça l'autre soir. Il a fait des trous ici, ici et là pour mettre des feux de gabarit. Tac, les voilà. Pareil, ça, c'est du AliExpress. L'avantage, c'est que bon, c'est en LED, donc c'est fiable en termes d'ampoule et que ça coûte pas cher. Si on en pète un, on a juste à en racheter, on le réinstalle et terminé. Ça, c'est super pratique. En vrai, c'est pas feu homologué, machin, truc bidule, mais en vrai, ça éclaire même mieux que des feux halogènes, machin truc. Et le jour où ça calanche, tu les rachètes 12 balles et ça fonctionne tout aussi bien, quoi. Ça, c'est trop bien. Bon, pendant que Gwen fait la Volvo, du coup, hop, on va rallumer. Ah, je continue le démontage de la remorque en ponçant et meulant tout. Donc là, tu vois, toutes les barres, là, bah, les fois on les a vues, elles étaient toutes pleines de rouille. Donc là, tout est meulé, tu vois. Donc ça, c'est, je les mets là, c'est prêt à la peinture. Là, je suis en train de finir ça. Donc j'ai fait mes renforts sur la porte. C'est avec des sortes de barres pleines d'acier là. J'en ai mis 5. On a essayé de monter le gui là qui pèse une tonne. Qui pèse ultra lourd. Et franchement, ça tient, ça bouge pas et tout. Donc c'est le top. On verra, tu vois. Mais bon, normalement, on n'a pas monté de voiture, tu vois, sur le truc. Et je remeule aussi, tu vois, typiquement. Tac. Et du coup, là, c'est meulé un peu à la zeub, on s'en fout tant que c'est plat. Parce que de toute façon, on peint tout en noir, en tiroir, machin. Et après. Raptor. Voilà, tac. On va faire ça au Raptor. J'ai commandé le pistolet et tout qui va bien. Il y avait d'autres marques possibles hein, avec Adapta, mais au moins là, je suis sûr. Je suis sûr, j'ai le pistolet, les bouteilles, les trucs, les machins. Donc ça, j'en aurai même en plus. Peut-être pour un jour, je sais pas, faire le 4x4 ou je sais pas quoi, on verra. Donc voilà, c'est un peu le bordel. Bon, du coup, de quoi? T'as pris un capuchon pour le godet? Ah non. Là, ça y est, tout est redémonté, tout est dégraissé, prêt à la peinture, meulé, machin, bidule, truc. Tout est prêt, là. Ah, ça m'a pris la journée.
Bon, on va faire ça. Il est déjà trop tard. Ouah, il est déjà 20h30. C'est quoi? C'est la jupe de la BM d'Edwin. Et en neuf. En neuf, en fait. C'est... Parce que l'autre, l'ancienne, en fait, elle est tordue. Ah oui? Ouais. Du coup, il l'a recommandé en neuve. Et du coup, ouais, on va lui repeindre en même temps en anti-rouille noire propre. Voilà. Donc là, on va repeindre ça. Avec les... On a tout bâché. C'est bien la première fois qu'on fait ça. Mais bon, là, là c'est vraiment la loose. Donc voilà. On a fini de peindre. Il est plus de 22h. Tac. Ça tue de ouf. Là, le reflet, il est abusé. C'est abusé qu'on passe du Raptor après dessus, mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment... la peinture, elle est abusée. Attendez, le temps qu'on parte manger, là, ça fait quoi, une demi-heure, 40 minutes? Dans le godet, le peu de peinture qui nous restait, là, ça a déjà durci. Donc ouais, non, là, c'est... Là, c'est vraiment un truc de ouf. Voilà. Enfin, voilà. Donc ça, on avait peint, là, une jupe, du coup, de E28. Juste, du coup, on voulait passer à l'anti-route, là. Ça rend bien. Donc voilà, ça rend pas mal. Et après, Raptor. Cool pas. Ouais, cool. Ouais. Donc, ouais. C'est vrai qu'on va faire des expériences chimiques bizarres. Et moi non. On est reparti. Putain, on a plein sur le... Oh, allez, dégueu la caméra, c'est un truc de fou. Deuxième jour. Bon, faut pas faire attention aux petites zones oranges, là. C'est des petits loupés. Vraiment, hier soir, on n'y voyait plus rien. Ouais, c'est même pas que c'est des loupés. C'est vraiment juste qu'on aurait dû repasser une deuxième couche. Après, c'est pas grave. Parce que la première, là... je pense que c'était pas assez nettoyé à ces endroits-là. Non, coup, je pense surtout que c'est que ça n'a pas accroché parce que c'est pas assez poncé. Oui. Mais on s'en fout parce que la peinture, elle est anti-rouille. Déjà, celle qui était sur les lisses. Ouais. Donc là, on est repassé avec de l'anti-rouille. On s'en fout, on s'en cogne. Ce qui était très important, c'était surtout les... Ouais. Les soudures. Et du coup, sur les soudures, bah, étant donné que c'était très granuleux, ça avait accroché à mort. C'est ça. On a retendu une bâche ici pour le Raptor. Bah plus tout le reste, hein. Ouais. Tu vas même se attendre de toi. Ouais. Donc voilà, donc là on va préparer le Raptor. Alors, pour le Raptor, il te faut une bouteille de Raptor, le diluant que j'ai mis là. Je sais pas. Bah je pense on va faire pareil, hein. On va laisser à 4. Hein. J'en ai aucune idée, je regarde sur internet après. Et puis... Et puis du coup, bah, le durcisseur qui va bien. On met... alors, c'est écrit. Où est-ce que j'ai vu ça? 8 oz, 237 ml. Ah merde, on va peut-être pas voir la caméra. Tu mélanges et c'est parti. Voilà, donc on va faire ça. Et puis c'est parti après. Let's go. Bon, du coup, je vais rester loin. Mais je vais quand même filmer. Ouais. Arthur, il est en train de faire le Raptor. C'est ouf. Ok. Donc ça va, ça rend pas mal, ça crache pas mal. Ouais. Et puis d'en mettre sur l'écran, ça serait relou. Mais ouais, ça crache bien. On en est à la deuxième bouteille là. Ça se consomme quand même relativement vite, alors je pense qu'on n'a pas des réglages non plus optimal. C'est un pistolet non réglable. Mais ouais, c'est un pistolet non réglable. Donc, on peut prendre le plus haut de gamme avec buse réglable et tout. Ça rend comme ça. Ouais. C'est bien, ça garde plutôt un peu le cuivre brillant en dessous. Plutôt pas mal. Ça colle pas mal par terre, mais bon, ouais. Avec, en fait, il y a une quantité de poussière au sol. Franchement, je pense qu'on va passer le balai, ça va enlever une grosse partie de la peinture. On piétine tellement. Ouais, puis c'est ça. On piétine tellement. On a vachement plus bâché que pour la peinture. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus, ça tient beaucoup plus pour le coup. Donc là, normalement, on a bien bâché. Ça. C'est. Voilà, on fera un petit point vidéo à la fin, je pense, quand ça sera fini. Hop. On se retrouve 2 jours plus tard. Garage, c'est un bordel sans nom, un truc de ouf. Mais au moins, la peinture est sèche. Voilà. Donc, ça tue de ouf. T'as vu, on voit encore le brillant de la peinture d'en dessous. Voilà. Donc là, bah, c'est le top. Hein. Voilà, Raptor, quoi. Ça uniformise bien. Alors là, on voit pas trop parce qu'il y a un peu de tout par-dessus, etc. Voilà. Tu vois, on voit bien. Hein. J'aurais pu en mettre plus, hein. Mais bon... bien, enfin moi ça me convient en tout cas. Donc voilà, donc là objectif déjà du début, c'est de ranger un max. Je vais sortir la moto, je vais descendre la chaîne du palan, la moto là je vais la sortir, ça faut que je range toute la table, je vais enlever les bâches partout. Voilà, vraiment l'objectif c'est de ranger un peu ça, et puis après du coup je vais avoir ça à repeindre. Donc on avait déjà peint les barres en couleur sable, ce qui est très cool, hein.
Mais au final, il y a eu des changements d'idées, de plans. On va les peindre en jaune pour faire en fait comme le 4x4. Bon, le temps que les batteries rechargent. Donc je disais juste avant que j'allais repeindre des choses du coup en jaune. Parce que la couleur sable c'est bien, mais en fait, bon, on va passer sur le noir et jaune comme le 4x4. Voilà, comme ça va faire le prolongement du 4x4, ça va être cool. Du coup, le temps que les batteries rechargent de la GoPro, j'ai fait quoi? J'ai réaligné les essieux parce que il y en avait un ou deux, ils étaient un peu plus bas, etc. On avait mal réglé la hauteur. Donc voilà, du coup j'ai déjà repeint la boule d'attelage. Voilà, et j'ai commencé à peindre les ce qui nous sert de suspension, c'est les barres en ferraille. Qui vont de là à là. Alors, j'ai commencé à les repeindre en jaune. Je vais repeindre tout ça et j'avais deux roulements à faire sur quatre. Donc je suis parti à monter la presse parce qu'en fait on en avait une là-bas mais qui est morte. Et en fait ça nous coûtait moins cher d'en racheter une complète que de la faire réparer celle-là. Donc on en a racheté une à Carter Cash, tu vois, un truc genre 130 balles, tu vois. Sauf que je le dis pour ceux qui voudraient en acheter une, ne pas se faire niquer comme moi. Il y a deux colis quand tu vas à Carter Cash. Sauf que évidemment moi je m'en suis pas rendu compte. Tu vois, regarde, c'est écrit quantité 2 sur 2. Et poids 32 kg, et sur le truc sur internet, ça fait 37 kg. Mais forcément, et je suis trop con, j'y ai pas pensé quand j'ai acheté. Forcément, les grandes barres qui sont là, bah, elles sont dans un autre colis. Sauf que, bah voilà, moi j'ai acheté que ça, tu vois, et puis le mec à la caisse, il m'a rien dit, tu vois, bon. Donc le problème, c'est évidemment, j'ai pas de ticket, j'ai payé en cash, donc je vais aller voir avec eux tout à l'heure, mais je pense que ça va pas passer. Ou du moins ils vont me casser la tête, donc bon, bref. Ce que je peux comprendre, mais en même temps je comprends pas parce qu'il aurait dû me dire, bref, c'est pas grave. Donc en attendant, on va repeindre les barres qui sont là, je vais pas les démonter. Hein. Tu vois, j'ai commencé à couvrir ici, je l'ai pas encore fait là-bas. Et les cloches de tambour, par contre, je vais les sortir pour les faire. Donc voilà, mais c'est pour ça les cloches de tambour, j'aurais bien voulu les faire avant. Puis je les ferai plus tard, les cloches. Mais j'aimerais bien au moins faire les barres, et là-bas, voilà. Donc là, tu vois, il y a une couche prononcée parce que c'est déjà la deuxième. Et là, ça, c'est la première couche. Faut toujours être fin sur la première et après tu y vas vraiment. Donc voilà, et en attendant, j'ai déjà remonté le vérin. Donc là, c'était deux vis là, renclenché ici, tu sais, c'est juste des clics. Et revisser la bonbonne là, faudra qu'on fasse tenir le câble. Et voilà, ça rend bien sinon, c'est cool. C'est une bonne gueule. Voilà, allez, c'est parti. Bon bah, du coup, pas content. Elle est là la presse quand même. Ouais. Oh, ils auraient été mignons. Ils étaient mignons. Du coup, on va faire les roulements directement de la remorque là. Et en fait, les roulements, bon, il y en avait un des deux qui était mort, mais l'autre il était pas si mort que ça. Et en fait, on s'est rendu compte que. Merde, tu l'as mis à la poubelle l'autre morceau. Il y avait comme une butée de l'autre côté, derrière là, qui fait que le roulement il venait contre cette butée. Et en fait, ça dépassait un petit peu et du coup, ça venait frotter contre les cheveux. Alors, on pense qu'avec tout le système de frein et tout, en fait, ça laissait assez de marge pour c'est que ça ne bloque pas. Et que comme on a enlevé tout le système de frein, là, ça vient toucher directement le bras. Ouais. Et ça freine, ça bloque en fait. Ça bloque le truc. Ça bloque le roulement. Donc voilà, donc là, ce qu'on a fait, c'est que Arthur, il l'a fait à l'inversé avec le roulement à l'intérieur. Et en fait, ça a cassé cette petite butée. Voilà. On l'a broyé, la butée. Et du coup là c'est bon, ça fonctionne. Mais bien, je voulais la montrer et je crois que tu l'as acheté. Oui, tiens, regarde. Tac. Hop. Bon, ça c'est du coup c'était la butée. Et hop, tu vois ici là ça a carrément cassé directement la butée ouais. De dans le. Ah j'ai les doigts tout sales. Directement. Ça va pas te jaillir, toi. Ouais. Directement dans la cloche, ça l'a cassé net. Ah oui, ça l'a cassé. Voilà, et donc on a fait ça sur l'autre pour tester en fait. Et effectivement, l'autre roulait bien alors que celle-là bloquait direct. C'est ça. Normalement, il n'y a pas de raison que de toute façon ça se barre puisque ça vient toucher après le bras. Donc ça devrait bien fonctionner comme ça. Ça ira. Bon, et puis comme ça, on a une presse fonctionnelle. Et voilà, du coup, on a une presse fonctionnelle. On l'a montée en 2-2. Bon, il n'y a rien de très compliqué à monter. Hein. C'est tu mets l'IPN, tu mets tes vis, voilà. Enfin. Il n'y a rien de plus simple que ça. Ah, franchement, là. Je vais passer un petit coup de vernis. Tu vois rien. Ouais, et là ça marche. Ça change tout. Hein. En fait, tout à l'heure il bloquait direct. Ouais. Oh. Alors tout à l'heure Arthur il a voulu le défaire, tout s'est cassé la gueule, machin truc. Ah ouais,
trop une autre planche dans la tronche. Ouais, ouais, une planche, trois vis, et puis fin de l'histoire, hein, ça va tenir. Eh, hein. Hein. 3D très tôt, gratos. Voilà. On peut pas cracher en la soupe. Du coup, ouais, j'ai fait un petit vernis. Voilà, là on est d'accord. J'ai fait un petit vernis sur tout ça. J'ai vidé les bombes, on va dire. Ouais. J'ai vidé trois bombes de vernis là sur le peu qu'on avait. En fait, on avait plein de petits fonds en la con et tout. Parce que des fois, on va pas jusqu'au fond de la bouteille parce qu'à la fin, ça fait des petites gouttes. Et quand c'est des trucs perfects et tout, on veut pas ces petites gouttes. Là, j'en avais un peu plus rien à foutre parce que bah c'est du châssis donc. Ça se verra pas et en plus ça va frotter donc bon. Donc là j'ai vidé toutes les bouteilles là-dessus, fin de l'histoire. Comme ça, ça nous fait 3 bouteilles de vernis en moins. Ça fait de la place un peu dans le rack. Donc là j'ai tout remonté. Voilà, donc toutes les barres on les a remis et tout. Bon, on les a posées à l'envers. Je m'en rends compte qu'à la fin évidemment, donc ça c'est pas grave, on les redémontera. De toute façon, là à l'arrière, j'ai commandé les cylindres blocs là, qui allaient bien, je les ai pas encore reçus. Donc on les fera à ce moment-là, on fera tout à ce moment-là. Ça rend pas trop mal avec les petites barres jaunes. Non. Je sais pas en roulant. Puis tu vois, la tête d'Atlas jaune, là, c'est marrant. Ça va bien, je trouve que j'aime bien. Voilà, faudrait que je repeigne le petit bouchon jaune là. Tiens, c'est intéressant, ça faudrait que je le fasse. Ça va être une fin de chantier pour aujourd'hui. J'avais pas montré tout à l'heure, j'ai graissé aussi, via les graisseurs. Hein. Tu vois, jusqu'à ce que ça dégueule. Alors, j'ai un peu suivi, bon, c'est trop grave, mais voilà. Du coup, j'en suis là. Donc j'ai posé les petits feux de gabarit de côté et les feux ici. J'ai pas posé la plaque et tout encore. Voilà. Donc tu vois, qu'est-ce que j'ai ? J'ai fixé le flexible aussi. Donc voilà, donc ça passe comme ça. Tiens d'ailleurs, ça faut que je retire un peu. Voilà. Tu vois, donc là on voit la masse, elle vient se faire là, une de chaque côté. Et ici ça passe. Il me reste une cosse ici. Alors j'aurais pu faire une masse directe là, mais bon, pour éviter le nombre de trous, je vais faire courir un câble, tu vois, je vais le faire courir dans la gaine aussi en même temps, chac, jusqu'au bout, et au bout par contre je vais foutre un rivet pour faire une masse. Voilà, et comme ça j'aurai la masse de ce côté, la masse sur les feux, je ferai la même de l'autre chose, de l'autre côté. Et là on voit, tu vois, alors c'est du câble comme ça, j'aime pas, hein, mais bon, l'avantage au moins c'est qu'il est gainé, donc au moins ça sera bien résistant, puis c'est du souple. C'est du câble informatique, ça, en fait, c'est les prises genre d'ordi et tout. Donc voilà. Et là, tu vois, il arrive genre pile poil ici. J'ai vraiment pile poil la longueur. Du coup, l'autre, normalement, va arriver là. Et j'aurais plus qu'à relier avec une prise et ici. Voilà. Donc ça, ça rend bien. Je réfléchis, mais si, en fait, oui, c'est que je réfléchis au nombre de prises. Là, du coup, j'ai 3 câbles, forcément, vu que j'ai qu'un clignot d'un côté. Et l'autre, j'aurais 3 câbles, dont 2 à relier ensemble. Les veilleuses et les feux stop et les clignots, un câble de chaque. Donc voilà, donc ça rend bien. J'ai tout câblé, ça y est, c'est fini. Donc, enfin, il me restera juste la prise là. Et ça donne ça. Tac, voilà. Bon, des feux stop, que des remarques, hein. Donc voilà, et les veilleuses avec les feux de gabarit. Alors, bouge pas, faut que je change de câble. Alors. Hop, c'est le bleu du coup. Hop, allez. Faut que ça veuille. Là. Hop. Et voilà, ça donne ça. Feu de gabarit. Et les veilleuses arrière. Voilà. Alors ce que je sais pas, c'est. Est-ce que quand je vais. Ah bah non, non, je vais dire. Est-ce que quand je vais faire venir toucher le. Les freins, ça va éclairer plus ici, mais non, puisqu'ils sont pas reliés. Donc voilà. Ah, ici, c'est pas. Ça touche pas, ça câble pas. Ah, il y en a un qui marche, pas d'autre. Bon. Bon. En fait, le temps de prendre le multimètre. En fait, je me suis rendu compte, ma cosse là, je l'avais mis genre comme ça. En gros, là. Le truc n'y rentrait pas dedans. Donc forcément, ça pouvait pas marcher. Ça, c'est des cosses. Alors, j'aime pas les attaches rapides, mais ça, c'est pas mal parce que ça te permet de piquer dans un câble. Et de repartir au lieu de prendre un câble en saucisson et voilà, là au moins ça te fait bien, ça te fait une cosse bien à côté. Donc alors attends, je vais bien le remboîter. Yops. Hop. Et voilà, donc là c'est mieux. Et là ça fonctionne. Voilà. C'était juste. Bon du coup ce matin là, on change le sens de ça parce qu'on les avait mis dans le mauvais sens. En fait quand on les avait fait, on avait fait un biseau là pour pas que ça vienne toucher les cylindres blocs.
Donc voilà, là c'est pareil, les sandblocks ici, ils étaient morts. Du coup, on en a reçu des 9. Et où est-ce que je les ai foutus? Donc ça, on va les réinstaller en même temps. Les Febi. Tac. Tu vois, donc voilà. Donc là, nous, faut, sur notre installation, il faut juste qu'on lime les côtés, là. Et puis voilà. Et on va surtout... Tac. On a nos tôles. Voilà, donc c'est, elles sont massives. Hein. Laisse tomber. Donc ça, ça va être le sol en 3,5 mm. On va peut-être pas voir, mais on verra après. Mais tout strié de ouf, là. Et après, c'est de la tôle plate comme ça en 2 mm. Donc là, c'est du gros, c'est bien. Enfin, c'est pas épais, mais pour faire des trucs vraiment, c'est top. Et pour couper tout ça, on nous a prêté un découpeur plasma Parkside. Bah écoute, on vient d'essayer. Franchement, c'est étonnant de à quel point ça les voit. Donc bon, on va couper avec ça. L'avantage, c'est qu'on veut faire des coupes droites et avec la disqueuse, c'est toujours un peu... T'es surtout sur du long, tu commences droit et puis en fait, ça finit comme ça, quoi. Avec le découpeur, on va mettre un truc en face. Enfin, tu sais, un truc pour serrer et on va couper tout le long, quoi. Normalement, on sera droit. Donc voilà, donc là, franchement, c'est le top. On va faire ça. C'est pour ça, là, on a enlevé les roues. Ça, les plaques, on va pouvoir les poser, on va pouvoir les poser dessus. Ça va nous faire un plancher parce que... Parce que voilà. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça, et c'est pas grand chose à changer, mais, ouais, mais bon, quand tu te bourres une fois... Faut le faire maintenant. Bah il est beau l'homme. Merde, montre-moi avec la GoPro. Je vois rien faire, les yeux ils s'aiment même pas. Ça c'était le pire achat qu'on ait fait, je pense. Vraiment, on a voulu faire quelque chose et c'était nul. C'est ok. Bah allez hein. C'est parti. Vas-y. Je suis déjà en lancement en arrière, vas-y go. Vas-y, vas-y. Ouais, mais je suis pas passé au travers partout. Ok, vas-y. Oh, le son de ma rate. Non, c'est les prises. C'est les prises qui ont sauté. Ouais, c'est à l'intérieur. Entre le compresseur et ça. Ouais. Ça se trouve, Charlotte, elle a lancé un truc. Et... Alors, tu vois, il y a des moments où ça veut pas. Mais alors, par contre, quand ça passe au travers, c'est ouais, ça, ouais, ça fait propre. Hein. Ah, par contre, ton trait, il est pas au même endroit. C'est fou. Il a fait de se mettre d'un côté et de l'autre. Ah, ouais, ouais, bah, écoute. Oui, ouais, mais regarde, hey, c'est quoi, regarde. Oui. Compresseur. Claque-leur au compresseur. Non mais là je pense que c'est entre le compresseur et ouais, ça. Ouais. En même temps mec, ça à faire nos découpes aujourd'hui, on va nous coûter 4 balles sur la facture le mois prochain carrément. Ouais. J'étais sûr. Oh la vache, putain ça tire. Tu veux pas ça dans un appartement hein. Ouais. Pardon, je suis là. T'es me dis. T'es bon? Bon écoute, vas-y go. Vas-y. Yeah.
Ok, c'est censé être bon. Il y a peut-être deux zones, il faut que je repasse un peu. Non, c'est bon. Magique. Ça fait super propre. Mec, je suis sur le cul, un truc de ouf. Oh, là, il y avait, là, il y avait juste le petit. Ça, c'est rien. Oui, c'est fait pour, mais. Non, mais c'est fait pour, on est d'accord. Mais l'arrière, pour 120 balles. Et encore, nous, du coup, on l'échappe à moins cher. Mec, t'imagines, toi, pour 60 balles ouais. Et gros, c'est un bâtard. On était à 60 balles. Oh. Oh non, pas, je t'ai vu, ça, ça a coupé dans le maillon et tout. Hein. Ça a coupé dans le beurre. Hein. Ouais. Non, franchement, étonné. Bon, bah écoute. Tintin. Avec la meuf de Jurassic Park qui regarde là. Oh. Yeah. Tu refous la chandelle là-bas peut-être jusqu'à la remette droite. Parce que sinon elle va pouvoir être une balle dingue. Avec ta vieille gueule en train de la tenir. Un deux que six. Deux, six. Voilà, bon évidemment il manquait tout le sur les côtés. Cendrillon ! Vas-y décroche là-bas là. Décroche ouais. Bon là ça brille parce que j'ai mis l'anti-rouille. Ouais. Donc normalement ça va matifier. Parce que je viens juste de le mettre donc forcément il est passé. Ah là là. Normalement ça ah va matifier un peu. Là là. Et en vrai avec Arthur on s'est dit ça serait stylé qu'elle reste brillante tout le temps comme ça. Donc on verra si on fait pas un vernis un jour. On fera peut-être un vernis un jour. On verra, il y a encore des trucs à faire hein. Et on va tout cet après-midi là. Enfin, il est quelle heure? Ouais, il est midi. Cet après-midi, on va faire les tôles, les découpes de tôles sur les côtés. Pour tout fermer. Vas-y, t'es midi, moi c'est bon. Là c'est bon. Et après, il nous manquera la rouge. Mais, elle est pas, c'est pas indispensable donc. Et là, tu mets des taquets comme ça aussi pour la verrouiller la porte? Ouais. Oui. Vas-y. Oui. Mais j'attends d'avoir les tôles justement posées parce que. Ah oui, pour voir. Ah, puis en fait, ça va se poser sur les petites tôles. Mazette le plan fait quoi. Ah ouais. J'aime trop faire les finitions. Moi ça a tendance à bien me casser les couilles. Oui, moi aussi. Oh, j'aime pas, c'est de la branlette, ça prend une sale. Là justement. Ouais, j'aime bien. Et la tôle là, tu veux la mettre à l'intérieur aussi ou... Ouais, c'est ouais. Bon. Là, c'est là où je suis. Ah oui, mais. Et oui, ça va être à l'intérieur. Va falloir qu'on fasse des bouchons aussi pour ça. Faut voir. Faudrait, il nous faut. Et parce que la merde elle va rentrer ouais, donc il ouais. Faut qu'elle puisse s'extraire. C'est pour ça que j'ai. Elle peut s'extraire de là. Non, mais là. C'est pour ça que j'ai pas bouché là-bas. Oui, mais faudrait. Ou alors faudrait qu'on voit. Ouais, faudrait qu'on voit avec le père de Nathan s'il peut pas nous faire des bouchons en plastique. C'est pas quoi. C'est toutes les mêmes tailles de tubes. On lui donne un croquis, il nous fait des bouchons en plastique. Au pire, des cas, on fait un petit trou dans le bouchon en plastique. Pour enlever des bagnoles, enfin pour enlever des motos, je veux dire. Ah oui, mais. Là, je vois quoi. Là, tu vois, voilà, ça suffit déjà. Là, déjà, ouais. Tu montes ça à moto. Et regarde. Non, mais là, bon. Ta moto, mais une simplicité. Un petit treuil en bout. Un petit treuil en bout. Voilà quoi. Un petit treuil au bout, ouais. Bon, ça avance. On en est là. Elle a chaud la table. Ouais, au début, ça fait un point et du coup, la table elle est chaude. Mais après, c'est bon. Je suis pas sûr. Ah, oui. Ah, ouais. Tout au début, parce qu'il y avait un point. Mais sinon, après, c'était. Ah, voilà. Et là, voilà. Et au final, on a demandé des mesures. Hein. On a, enfin, je veux dire, les mesures, on les a prises et tout. Mais il fallait qu'ils arrondissent un peu plus, les mecs. À la, enfin, pas à la corde, mais par ceux qui ont fourni l'acier, quoi. Et. Ils ont pris un peu plus. Donc, on entend dire qu'il nous reste tout ça. Ça, plus bah là il va nous en rester un peu, mais ça on savait. Il nous reste des petits bouts de chute quoi, mais là ouais, là il nous reste une grande plaque. Mais c'est bien, hein, ça nous fera de l'acier pour autre chose. Oh voilà. Merci. Bon, ça y est, la remorque elle est toute assemblée là. Ah, il faudrait un petit récipient. Un petit récipient. Bizarre. T'en avais un tout à l'heure ou pas du tout? Non. Ah. Attends, je vais chercher un bocaux. Un bocaux? Un bocaux? Un bocal.
Hop là. Tiens, bah celui-là, il y en a déjà eu, tu vois. Tiens. Pareil, c'est cool. Du coup, voilà, donc on l'a attelé au 4x4, on a fait un tour. Je vais faire la vidéo après. Donc ça, bon, juste dans la rue pour voir. Ça roule bien, simplement, mais ça, on le pensait, mais bon, ça est confirmé. La flèche est store. Elle est trop molle, mais ce qui était évident vu le poids complet du truc, elle est devenue en fait vachement, vachement faible. Tu sais, c'est ça qui est marrant, parce que dans les premiers épisodes de la remorque, j'ai dit ouais, on va faire une remorque, machin. Et puis de toute façon, la flèche, ce qui est bien, c'est qu'elle est déjà solide et tout. Elle s'est fait vite détrôner. Hein. Donc voilà, donc là, on a regardé comment on allait faire ça. Donc je vais faire ça. Il me reste une soudure ici à réparer parce que c'était pété. Comme ça, ça réalignera la grille. Les charnières à mettre sur la porte arrière. Et puis, il va mettre la prise. Et puis voilà, hein, ça sera fini. Passer l'anti-rouille sur la grille au-dessus, là, deux, trois endroits. Du coup, on finit vite fait, là, la porte, enfin, les côtés. Tiens, tu sais quoi? Regarde, on va mesurer en métrage cube. Combien oui, il fait voulais... Ça m'intéresse. Maintenant que j'ai le petit mètre qui va bien, là. Ah ouais, t'as ça? Ouais. T'as, c'est top, hein. C'est le top, hein. Tu l'as acheté ou? Allez. Comment ça marche? Alors. C'est calme, non? Hein? Non? Hein? Tac. Ouais, voilà. Déjà, elle fait donc bah, 2,86 m de long en charge, ça on le savait. 1,30 m, tu vois là. Mais après, les trucs. Ouais, elle est pas alignée, mais bon, ouais, ouf, à ouais. Quelque chose près. Hein. Et là, c'est quoi? C'est en hauteur. Alors. Mets-le par terre, t'appuies sur le bouton orange. Tac. Ça fait 4,5 m². Cube. Et ça, ah fait, ouais. Ça fait quand même 4,5 stères, hein, qu'on met dedans. Hein. Ah non, ça cause. Hein. Et en gros, la roue arrière, elle a un peu de carrossage. Alors, les roulements sont neufs pourtant à l'arrière et pas à l'avant. Comme quoi. On remettra un coup de serrage à l'occasion. Mais normalement, ils sont bons. Donc bon, on roulera jusqu'à ce que les roues se séparent. Ouais, il y en a 4, hein. Au pire, 3, ça sera isostatique. Hein. Donc voilà, après, dans la remorque, hop là. Dans la remorque, merde, je sais pas si on voit. Oui, on voit. Et il y a des jours au niveau du plancher. Alors, c'est pas fait exprès, mais d'un autre côté, c'est très bien. Au moins, comme ça, déjà, ça fera des courants d'air. Comme ça, la poussière, les merdes et tout, ça partira sur les côtés. C'est très bien. Ouais, c'est la, ouais, c'est ça, c'est la Geox.